Ils sont au total 163 seconds maîtres de l'armée marine à avoir reçu leurs attributs de fin de formation dans la marine nationale. Ils ont été solennellement accueillis mercredi au cours de la cérémonie de présentation au drapeau. Après une formation intense et dense, pendant laquelle ils ont acquis des techniques élémentaires de combat en milieu amphibie. Nous avons reçu une formation interarmée. Maintenant, ici à la marine, on nous a appris des nouveautés. Être marin, être fusilier, savoir combattre, savoir endurer, être persévérant et savoir l'état en mer. Après la formation, nous devons nous mettre dans une posture de ces éléments qui doivent défendre le pays, défendre l'action de l'État en mer. Ils devront, pour réussir dans la carrière qu'ils embrassent, faire preuve de discipline, d'honneur, de loyauté, de dévouement, fidélité aux institutions et à celui qui les incarne, obéissance absolue à leurs supérieurs et respect à leurs subalternes. Qui doivent s'engager à servir avec honneur et fidélité au sein de la marine et faire mieux que leurs aînés dans toutes les différentes missions de la marine, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Les officiers mariniers du contingent 2022, prêts à servir le pays, ont fait un choix de cœur, encouragé par des parents qui ont envahi la place d'armes de la marine nationale à Douala. C'est un plaisir de voir ma dernière fille sortir officier marinier, comme on appelle vulgairement. Ça fait beaucoup de plaisir. Et lui dit qu'elle puise les conseils qui ont été donnés par les chefs hiérarchiques. C'est une joie pour moi parce que moi, je suis un ancien militaire et quand il me rappelle, je suis très fier. Ce qui traduit cet amour qui a toujours existé entre civils et militaires. Le contingent 2022 est prêt, les contrebandiers n'auront qu'à se tenir très loin.